wrapped up in my lover's arms. I feel it in my weary bones. I'm home. But nothing's ever what it seems. There's darkness in the best of dreams. Scratch the surface and t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est paumé. Poli? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Prenez le temps d'écouter ce qui suit, car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Squad. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention, Hackett Squad peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Attention! Ah d'accord. Bravo chérie, joli réflexe! Merci. Bah l'état des routes s'arrange pas ici. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Oh c'est vrai, c'est là qu'on va, j'ai arrêté de suivre depuis 300 km. 300 km, hein. Ouais. Tu sais Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles ? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse ? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, à force de soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. C'est quoi ça? Ouais, rigole. Je suis sérieux, pourquoi tu prends pas la carte normale? C'est ça, la carte normale. Celle du téléphone. On capte pas. Évidemment. Bon, voyons voir alors. On est... Je crois qu'ils marquent pas les colos sur les cartes. Et t'as pas vu de panneau? Hé, hey, regarde la route! Wow!
Tu vas bien? Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse? On a renversé quelqu'un? Je sais pas. On est passé près, vraiment près, mais peut-être qu'on n'a pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est foutue. C'est peut-être pas si grave que ça? Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils dans le coffre? Ouais, ouais, bouge pas. Et voilà, on est revoilà dans un jeu d'horreur. Je crois que j'en ai pas fait depuis Resident Evil Village, je crois. Alors, je vais pas mentir, j'ai déjà regardé un peu le début. Juste pas spoil. J'ai regardé un peu le début, ouais. Sur une chaîne que je suivais, qui les faisait tous. Enfin, qui faisait tous les Dark Pictures et Until Dawn. Je kiffais trop, mais à l'époque j'avais pas trop les sous de m'acheter les jeux et encore moins le PC. Maintenant j'ai un peu le PC. Donc on va le savourer et puis on va se chier dessus. Une chose est sûre déjà, c'est être responsable des QTE, ça change tout. Interruption. À certains moments de la nuit, des opportunités se présenteront, vous donnant une chance de prendre la situation en main. Notez cependant qu'il ne s'agit que de suggestions. Rien ne vous oblige à agir. D'ailleurs, parfois, il ne vaut mieux pas. D'accord. Donc ouais, les QTE, ça va être une grande première parce que j'ai l'habitude de voir les youtubeurs et streamers les faire. C'est vrai qu'en être responsable, c'est une autre histoire. J'ai déjà failli me faire avoir dès le début. C'est sûrement un peu dans la tourmente, c'est pour ça qu'on est. Ah, merci. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici. Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Tu vas où? Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok? J'ai presque fini. Tu n'es pas ma mère. Ouais. Allez, Max, dépêche-toi! Force majeure, faut être obéissant. Obéissant. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas se séparer. J'ai peur qu'il y ait une personne là-bas. T'es sérieuse?
Oui, elle est peut-être blessée, je sais pas. Je crois qu'on a percuté personne. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Tu crois qu'on l'a renversée? Je veux juste vérifier. Ok. Pourquoi tu regardes mon cou comme ça? D'accord. Mais va pas trop loin, ok? Sois prudent. T'es un vampire, en fait. Ok. Bonne chance à toi. Meilleur strat, hein. On voit ça que dans les films d'horreur. Hein. T'éloigne pas trop loin. Il y a plusieurs noms, je peux aller. Oh la vache, la lampe, ça fait un peu flipper quand même. Parce que c'est moi qui gère la lampe. Qu'avons-nous ici? Roomstorm. L'affiche d'un spectacle itinérant. Elle semble être là depuis longtemps. Oubliée dans les bois, est-ce que ce sont des marques de brûlure sur les bords? En général, dans les Dark Pictures, on comprend rien. Au début, on comprend rien. Puis au fur et à mesure, un peu comme les jeux d'Hideo Kojima. Au début, on comprend rien. Puis après, on voit qu'il y a certains trucs qui sont liés quand même. Alors, est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce que c'est ça? De roi de l'évasion. Ah, je crois que c'était une camisole de force. Attends, je vais afficher. Indice. Un coffre rempli d'étranges dispositifs, celui d'un roi de l'évasion, peut-être le vestige d'un spectacle itinérant qui est passé dans la région. Et alors pourquoi, je me pose la question, pourquoi loot? J'ai un truc en dessous. Est-ce que ça veut dire que je pouvais interagir avec? Ouais, déjà, en même pas 5 minutes de jeu, j'ai déjà vu des trucs que j'avais pas vu dans la vidéo YouTube que j'avais regardé. Je vais juste repartir un peu en arrière pour voir si il n'y a pas moyen de l'arracher. Mystère et magie voyant ces moments sont spectaculaires, extraordinaire. Achetez vos tickets. C'est pas logique parce que s'il disait spectacle ordinaire. Est-ce que j'ai un bouton pour sprint? Non. Pas dans l'immédiat en tout cas. Mais il avait qu'est-ce pas que c'est ça. Cage brisée. Cette cage délabrée a été engloutie par les bois. On dirait qu'un animal en a fait sa tanière. Hélas, l'enfant chien. Ouais, fou. Merde. C'est trop chelou. Ah, c'est chelou, il a éclaté la... La cage, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Je crois qu'il y avait trois chemins. Ah, non. Je tourne un peu parce qu'il y a quand même pas mal d'indices à choper à droite. Putain, j'avais beau me souvenir qu'elle faisait ça, ça m'a quand même fait flipper.
me chier dessus. Donc il y aurait un ancien cirque dans le coin. Chérie, respire, tout va bien, c'est la forêt. C'est la forêt, il y a des tas de trucs, il y a des animaux, ça peut être vite flippant. Non. On peut s'en aller, oui, s'il oui, te plaît. Oui, on y va. Ok. Moi, j'ai une petite perte de ça connexion. Alors, je sais pas si des personnes dans le chat... Ouais, écoute ça, elle ronronne comme un chat. Max, allez! T'inquiète, t'inquiète, on dégage d'ici. Petit décalage, si je dois baisser un peu les graphismes. Tu te fous de ma gueule! Max! J'ai juste... Bon, laisse-moi une minute. Il faut qu'on parte, Max! Oh, tu m'aides pas beaucoup. Bordel, s'il te plaît! J'essaie de nous sortir d'ici, mais c'est... Arrête, putain! Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. C'est bon, ça va. Tout va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain de merde! Oh, putain! Oh, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui? L'un de vous est blessé? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoué. Je vais juste rebaisser encore un peu les graphismes, parce que j'ai l'impression que... Au moins les ombres... Parce que c'est les ombres en général, ça demande... On va baisser ça et ça. Ça devrait aller mieux là. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? C'est quoi? Oui. Moi je vais appuyer sur A. Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on est évasive? Ouais, on est honnête. Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... On s'est retrouvé là. Quelque chose, vous dites? Honnête, restons honnête. Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite et elle a disparu. Elle? Vous avez percuté quelqu'un? Non, mon Dieu, non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, c'est que je ne pense pas... Je suis... Je crois pas... Monsieur? Laissez tourner le moteur. Monsieur? Ce type est flic, le plus flippant que là, j'ai jamais vu. Là, on avait un corbeau. J'en sais rien, c'est la première fois. Un flic énervé. Que t'es arrêté? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Thank you.
Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. On va au camp. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance. Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez. Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Vous n'atteindrez pas à Hackett Squarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai quand même envie de savoir. Pourquoi pas à Hackett Squarry? Sauf votre respect, monsieur, pourquoi on peut pas aller à Hackett Squarry? Parce que je vous ai dit d'aller au motel. Monsieur, je comprends pas, où est le problème? Madame, veuillez sortir du véhicule. Wow. Quoi? Pourquoi? Monsieur, elle a rien fait de mal. Madame, je vous demande de bien vouloir sortir du véhicule. Flippé, j'aimerais vous montrer trop l'itinéraire sur votre carte. Je me suis fait un peu spoiler, un peu les... Vous, restez dans le véhicule. Un peu spoiler, les méchants dans le... D'accord. Donc je vais rien dire, mais il y a eu déjà pas mal d'indices. Alors lui, je sais pas si c'est un méchant, mais... on va dire le type de créature, je me suis déjà fait spoiler. Ok. Et on a eu pas mal. Alors, on est... Je pense en tout cas. À peu près là. Il fait trop le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry déjà? Tom. Eh bien, je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Le motel Harbinger. Restez sur la route. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Oui, je vais voir. Bonne soirée. Je vais me chier dessus. C'est... J'en suis encore qu'au moment où je connais déjà ce qui se passe. Et j'avais déjà réussi à me chier dessus. Putain. Pourquoi il reste planté là, ce taré? Agacé, merci beaucoup. Non, ça sert à rien le conflit. Ce type était vraiment, mais alors carrément fini. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave. Et les traces qu'il avait là, tu crois que c'était du sang? C'était un plaisir. Ah merde. La pression que tu dois ressentir en vrai. Très bien, on va pouvoir reprendre la route. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir, merci bien. C'est clair, alors où est le motel? Ok, bon, on est ici, et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. C'est quoi? Hackett Squarry. Comment t'as fait? Je sais pas, je me suis arrangée pour qu'il nous... T'as assuré. T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok? Ravie de l'entendre. Madame? Non, mais je te jure! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Bah, 20 ans, c'est
un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Dans les films d'horreur, on appellerait ça le... Comment déjà ? La mise en garde. Hackett Squad, Summer Camp. East... 1953. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message ? Qu'est-ce que ça change ? Ça, c'est ça que ça change. Eh oh ! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir ? Enfin, il y a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd. Pourquoi y aurait une épave ? Je vais dans la voiture. Max, allez. Max, sois pas con. Max, c'est le gros lâcheur en vrai. Il vient jamais. Il vit sa vie. Il est blasé en fait. Il est blasé parce qu'il a été rejeté de l'université. Sacré Max. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ici ? Pas de réponse, tant pis. En plus, il y a de la lumière. Non, mais on me la fait pas, moi. Oh. Et là, genre, si... Ah, ouais. C'est quoi, ça ? Et là, je vois quelque chose. Oh, la trouille. Ça, j'arrive à me taper des trouilles sur des trucs bateaux, quoi. Genre, un changement de caméra. On en est là. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Oh, typiquement la porte là-bas. On dirait qu'il y a une quête. Carrière des Hacketts. What doesn't kill you will make you stronger. Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais. Je m'en vais. Allez, salut, je m'en vais. Elle accélère un peu, non ? Il y a une voiture. Il y a le corbeau. On entend encore le corbeau. Alors, il va y avoir un truc avec le corbeau. Eh, hey, t'es prête à y aller ? Ouais, on y va, ouais. Et si j'y allais ? À la fin de l'histoire. Oh, la musique qui devient. Vous allez bien ?
reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Max! Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Je crois que c'est Monsieur Hackett? Je sais pas, apporte des outils, on doit casser le cadenas. Je suis là. On va vous sortir d'ici. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené là? Il y a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Quoi? Si, là. Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. J'ai pas envie de descendre là-dedans. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ok, bon. Eh bien, on va prendre les clés à molette pour péter un cadenas, c'est bien. T'es sûr? Ouais, je l'ai vu sur le net. Ouais, je l'ai vu sur le net. La vache. T'as besoin d'aide? Oui. C'est un seau? Oh ouais, je crois que c'est un seau. T'as jamais vu Evil Dead, hein? Vous êtes blessé? Vous existez? Fais attention. Oh lui c'est le meilleur, hein. Vraiment. Toi t'es le meilleur, toi. Va t'aventurer là-bas. Mais fais attention. Moi je t'attends là-haut et puis je reviens dans 10 minutes. Il faudra partir. Putain, elle est immense la cave. Attends. J'essaie d'orienter la lumière. C'est écrit Silas. Collier ensanglanté. Ce collier ensanglanté semble trop grand pour un chien. Qui appellerait son chien Yann en plus? J'avoue. Oh, c'est un pied de je sais pas quoi derrière. Oh, j'ai sueur froide. Ça démarre. Max? Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. La nuit a été longue, ok? Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure et on pourra tout fouiller tranquille, mais tu dois être épuisé, moi je le suis. Notre imagination... Max! Yann, tout doux. Toudou, Yann. Max! Si tu sens... Aide-moi. Tu perds beaucoup de sang, en vrai. On va pas l'abandonner.
sais pas quoi, tu fais le chemin choisi. Ça veut dire qu'il est passé à côté. Le problème, c'est que je sais déjà ce qui se passe. Parce que j'ai fait les mêmes choix que le youtubeur que je regardais. Mais après, c'est nouveau. Après, ça, c'est nouveau. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger? Est-ce que c'est pas le gars qui fait le zombie dans... dans Je suis une légende? Après, il est trop expressif, c'est trop bien. Bonsoir à vous. Bienvenue chez moi. Faites comme chez vous. Allez-y. Je vous attendais. J'attendais, oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide. Dans l'inconnu, c'est fascinant, oui. Et terrifiant. Mais avec du courage et bien sûr votre autorisation, je vous aiderai. Nous nous entraiderons. Vous n'avez rien trouvé et en retour, je n'ai rien à vous montrer. Cherchez un peu mieux. Les cartes vous attendent. Si vous ne m'aidez pas, comment pourrais-je vous aider? Nous sommes du même côté et vous le savez bien. Cherchez mieux, vous seuls les trouverez. Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous, si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ah non, du Planet Zoo. Ça ressemble un peu à Planet Zoo. Hackett Squarry déchire tout!
Ils sont partis, madame. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo? Une vraie romantipocalypse. Cynique, ils s'en remettront. Pensif, on ne sait jamais. Ouais, cynique. Ouais, mais c'est juste des gamins. Je crois qu'ils s'en remettront. Mm-hmm. Comme tu te remettras d'Emma. Hein? Mais non, c'est pas la même chose. Ah, oh, c'est pas pour ça que t'es énervé? Je suis pas énervé. Je veux te dire, c'était notre dernière nuit ensemble, et ça va. Mais oui, ça te dérange pas de plus revoir ton petit nounours qui te fait des câlinous. Oh putain, t'as entendu? Tu veux rire? Les murs du cabanon font toujours des bruits chelous. Ok, j'ai compris. Arrête, lâche-moi. Salut Emma. Salut. Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Avoir ça... Profiter du fait qu'il fasse jour, parce qu'à mon avis, ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah, c'est à Emma. Oh, bah allez, hop, hein, vas-y, fais comme à la maison. Chemin choisi. Oh, bah vas-y, on va ramasser tous les déchets. Hein. Paquet de chips. Ah, merde! Espèce de putain d'araignée de merde! Comme ça! Non, on va pas l'écraser. Je respecte les araignées. Ah, ça met chemin choisi, imagine. Je sais ce que j'ai. Ouais, vas-y, casse-toi. C'est bon, y'a plus rien là. J'ai ramassé toutes les cochonneries qu'il y avait au sol. Pour accélérer, y'a rien. Là, on a quelque chose. Ou alors, c'est encore le plan. This way to scrapyard. Oh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis pas d'humeur, là. J'ai trop grandi cette phrase-là en moins de 45 minutes de live. Il y a un truc là. Qu'est-ce qui a tué les chevreuils? Avis de chasse. Un avis indiquant que la population locale de cerfs diminue depuis plusieurs années, la saison de la chasse est suspendue jusqu'à ce que leur nombre commence à augmenter. Bah d'accord. Bon, c'est vraiment un jeu où il faut prendre son temps de bien explorer pour avoir des petits trucs, parce que des fois il y a des trucs qui vont nous aider pendant les dialogues. Avoir des infos, trouver des armes. Et c'est très bien des trucs que tu peux passer à côté, quoi. Même si des fois avoir une arme c'est pas forcément la bonne solution dans certains cas, mais souvent tu peux choisir de l'ouvrir ou pas. Et là il n'y a pas de canne là. Hey, qu'est-ce que t'écoutes? Intéressant. Ça veut dire tais-toi. Pour rester poli. Est-ce que je peux lui parler? Non, je connais pas. Alors je connais Emma. Pour l'instant. Allez, les sacs. Jacob. Voilà. Je te remercie. Alors ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Il l'a peut-être bien dit. Vas-y, monte les escaliers encore plus lentement, hein, t'as raison. C'est pas vrai. Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? En fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas. Il me reste des sacs à descendre, sérieux. C'est pas de ma faute. Dylan, arrête. Désolé.
Cool, merci les gars. Et voilà, on est officiellement là où je me suis arrêté. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Plaque du camp. Le camp de vacances à Kate Squarry a été fondé en 1953. Le succès est toujours au rendez-vous depuis près de 70 ans. Donc ça veut dire qu'on est en 2023. Ah ouais. Je pensais que c'était plus près. Cool. Non, je voulais pas monter tout de suite. Là, je peux ressortir. Ok. Et recoule. Et recoule. Effectivement. Je voulais regarder vite fait là-bas, de l'autre côté, s'il y avait pas un truc sur la terrasse. Les cons l'ont verrouillé. Sérieux? D'accord. C'est pour ça que je suis obligé de passer par là. Rien de plus. Oh, il y a une éclaircie quand je viens ici. Je peux voir un truc. Donc il y a un autre bâtiment juste à côté. Là-bas, il y a une... par la fenêtre. Aïe. Ah là-bas, il y a... Waouh. Qui voudrait quitter un endroit pareil? On dirait un tableau de Bob Ross. Bob Ross. Allez, hop. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein. Bon, c'est tout. Et recoule. Me voici à l'intérieur. Ah, l'horreur. Je déteste l'horreur. Bah, faut pas être très grand, hein. Passer les portes ici. On a fait se cogner. C'est quoi des raquettes? Eh, trop bien en vrai. Oh, on se croirait trop dans Until Dawn. Il y a l'ours aussi. Keep out. Conceal your only. C'est un truc au sol ça ou c'est juste un déchet? Non, c'est juste un déchet. Cette baraque est en train de s'effondrer. Ah. Oh la vache. Alors lui il est peureux hein, mais vraiment. C'est-à-dire que moi aussi, mais alors lui Alors lui il est en train de réfléchir au sens de la vie. On va pas le déranger tout de suite. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Ah bien sûr. C'est dur, vas-y on va. Ah. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et t'as fait ça tout seul, hein? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine, t'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Oh,
Ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? Que toi, ton... Tac. Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein. Et dis pas Nawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh. Pardon, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi... Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Aïe. Complaisant, je le savais. Malicieux sexy. J'ai pas envie de lui offrir du randonnon. Je le savais. Je le savais. Je m'en suis jamais caché. D'accord, mais je voudrais juste comprendre un truc. Si tu flashais vraiment sur ce mec, pourquoi t'as rien tenté? Alors elle t'a juste largué comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, blablabla. Bla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle m'a fait genre, Jacob. Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y'a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Peut-être que ça me plaît, courageux. Ce n'est qu'une amourette. Non, ça sent Ok, tu sais quoi? Il est piqué. T'as peut-être raison. Peut-être qu'elle a une espèce de... d'emprise surnaturelle sur moi, mais je vais te dire... Peut-être que ça me plaît. Ouh, ça lui plaît. Check. Tellement pas dans le déni. Check. Oh, ok. Waouh, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Excuse-moi. Je dis juste que peut-être que certaines filles ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. T'es un vrai charmeur, tu sais ça? Confiant ou saisis ta chance? Non, confiant. Eh ouais. Si je le voulais, je pourrais même charmer un serpent. Ça doit être le truc le plus débile que t'aies jamais dit. Non, j'ai dit bien plus débile. Ouais. Ah si, ça va, il s'est bien rattrapé. Est-ce bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un œil, y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Eh, ce qui ne te tue pas, te rend plus Bof, fort. Bof, regarde, toi je t'ai pas tué, encore. Mais t'es toujours aussi nul. Eh, lâche-moi. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur, et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote, tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que, même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. Ouais. Tu sais. On verra bien ce que ça donne. Non mais... Couper l'arrivée du carburant ou prendre le dos d'allure. Quitte à faire un truc, autant couper l'arrivée du carburant. Mais j'ai pas le choix en plus, quoi. Oh, ça a l'air important. Ah, merde. Je te remets à ta place demain sans faute, ok? Ah. Je te le promets. Je pensais pas qu'il allait vider tout le carburant. Ah, ça craint, là. Hé, les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, hey, Jacob! Non, 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 mec! Non, non, fais pas ça! Passe longue! Oh! Nick! Ouais, je lui ai fait bugger mon PC. Ah non, ça... Boum! Wow! Allez! La glace, bien joué! Taré! Hé, hey, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entouré de tarés. Oh, enfin! Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait.
Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim! Ok, mais moi au moins, j'ai eu une relation amoureuse cet été. Oh, waouh, quelle répartie! Ouais, ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'un soir. Ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir? Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Ah. Cabanon du camp de Hackett's Quarry. Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, en haut. Il a sa foi. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Ok, elles se connaissent. Porte fermée, sac t'es coincé. Oh, fais chier. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Entrer par effraction. Laisser les sacs. Bah, on va entrer par effraction. Ok. On fout, il n'y a plus personne. Je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ces bois? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Mm-hmm. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Deux. Trois. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ok, bon. Je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Vas-y. C'est vrai, ils ont pas éclaté la porte non plus. Oh. C'est la peluche d'Izzy. Je vois rien. Juste du noir. Je veux jouer à un jeu! Je vois toujours rien. J'aimerais bien voir ses yeux, mais... La peluche d'Izzy, mais Izzy, c'est quelqu'un qui est avec nous, c'est... On va la garder. Ah, mais non! On va te ramener à Izzy. Ah oui, c'est une bonne idée. Je me suis dit, je vais la prendre à un moment donné, je vais devoir pas faire de bruit. Et puis, il va faire du bruit. Chemin mis à jour. Là-bas, il y a de l'alcool. Ok, il n'y a pas besoin de prendre d'alcool. Elle se déplace bizarrement, on dirait un robot. J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. Oh. C'est l'aventure, ça. Un article sur ce lieu paumé? On va regarder ça. Alors, une coupure du journal local, le Northkill Gazette. Elle n'a pas l'air récente, une histoire d'incendie. Est-ce que ça s'est passé ici, à Hackett's Quarry? Regarde, ça n'est pas passé des choses à Hackett's Quarry, hein, quand même. Bon, mais c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ça va, c'est pas du tout immense là. En fait, du coup, je pense que j'aurais pas pu voir Emma parce que du coup, elle est venue ici.
Et j'ai déjà dit deux fois du coup dans la même phrase. Toujours peur de passer à côté de certaines choses. Bon, là-bas, il n'y a rien. Oh, derrière, là, il y a un truc. J'entends marcher. Non ? Arrête ça! C'est beau les corbeaux. Là, il vient de m'indiquer qu'il y avait un truc là-bas. Parce que c'est un corbeau intelligent en fait. C'est un corbeau qui veut mon bien. Oh, peut-être QTE. Ça va me faire bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan. J'ai tellement l'impression qu'il va se passer. J'ai pas vu. Il y avait un truc ? Elle va refaire, tu penses ? Elle aura fait. Oh, j'aime pas quand il regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir un screamer. Rien. Je suis passé à côté d'un truc, il y avait peut-être quelqu'un ou quelque chose dedans. Oh, j'ai chaud. Ouf. Oh, ça me rappelle la vision de TV du village. Bon, maintenant on va faire toutes les maisons une par une. Allez, c'est parti. Je commence par la droite. Alors celle-là c'est fait. Je sais pas s'il va venir. Oh, c'est fermé. Enfin, elle va venir, c'est fermé. Ok. On va faire plus simple. Oh. Eh ben, Dylan va pas apprécier que les petits les laissés là. J'en parle. Un vieil enregistrement de l'hymne du camp de Hackett's Quarry. La technologie a évolué, mais la chanson est toujours la même. J'aurai à Chris quand je le verrai. Quand je le verrai. Ouais, y a des petits bugs, mais en vrai, c'est pas grand chose. Ah, pas bon, l'écran noir que j'ai eu tout à l'heure. Il est dans le coin. C'est là-bas où je dois aller. Après les petits bugs, c'est normal, hein, le jeu vient juste de sortir. Enfin, il a que quelques... Il a peut-être une semaine, le jeu. Peut-être bien. Profite pour l'instant, c'est calme. J'ai peur d'avoir beaucoup de trucs en plus. Le panneau, qu'est-ce qu'il dit ? Pour les drôles. Ah, d'accord, c'est toutes les villes. Même s'il s'agit d'un panneau fantasy, il est un peu effrayant de constater à quel point Hackett's Quarry est loin de tout. Oh, il y a un truc là, détail sur le mur. Sur l'arbre, il y a un truc. Summer. Jacob plus Emma. Au lieu de Forever, ça a été remplacé j'espère par. J'espère que Jacob Summer. N'a rien vu. Fiole vide. Une fiole vide à l'odeur désagréable. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est à Dylan?
Voilà, c'est typiquement ce que je disais, hein. Il y a vraiment des trucs un peu planqués. Comme c'est la première fois que je fais ce genre de jeu, j'ai pas envie de passer à côté d'un truc. La voix, ça m'amène à la voiture, il y a l'air d'avoir quelqu'un qui m'attend. Ah, c'est Emma, je crois, non? Je sais pas, Emma ou quelqu'un en vert. Bon, on va aller à bosse. Est-ce qu'ils auraient planqué un truc dans le néant comme ça? Quand même pas. Ouais, non, y'a rien. Ok. Allons-y. Ah si, c'est Emma. Là, y'a un truc. Ouais, non, mais... Leaderboard. Shoot. Je crois pas que Kathleen ait quitté la première place de tout l'été. Kathleen, ça serait celle qui tire le mieux. On sait jamais. Ça peut être une bonne info si, je sais pas, je viens avoir une arme. Allez, je crois qu'on a fait le tour. Là, elle va m'engueuler, elle va me dire, t'as été long, hein. Prête à y aller ? Allons-y. Allons-y. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si... rayonnante. Agaçante. Sûre de toi. Oh, c'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même. Mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir qui tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essayes pas vraiment. Oh. Waouh, 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 waouh ! Joli coup de volant. La trouille. On est là, hein. Pilote de rallye. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça ? T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Abby, ok. Abby est mort. Oh, attends ! Nick. Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Ouais, tu sais quoi, on a qu'une vie. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de danger. Hein. Yes. Ok, c'est quoi le triomphe ? 2 mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, bah pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Siri Root. Sarcastique, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Qu'est-ce qu'il ferait sans toi ? Je te crois. Je vais mettre du sarcasme. Oh, comment ils ont pu survivre 2 longs mois sans toi ? Au cas où tu le saurais pas, j'ai une base d'abonnés qui sont très fidèles et très motivés. Je leur fournis des conseils de vie et de scolarité essentiels sous la forme de monologues filmés hilarants et captivants. Ils ont besoin de moi. Oh, mais c'est clair, t'es une vraie star. Bah, grave. Non, mais je suis sûre qu'ils seront super contents que tu reviennes. Mon coin préféré ? Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? Ah, vu comme ça fait plus flipper que... C'est de la fumée ? Bah oui, c'est de la fumée. Il y a un barbecue. On le signale aux autres ? Il a l'air maîtrisé, ça...
Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, oh ouais. T'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi. Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Mm-hmm. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend? Les autres, tous, pareil. C'est rien, c'est quelqu'un qui fait un barbecue. Quoi de plus normal? D'ailleurs, ça a bien fonctionné. Oui. Entrée du camp de vacances de Hackett's Quarry. T'inquiète, Jacob. Compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah, bolos. Plus personne à de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Burke. Titre. Hey, Nick. Eh, où vous étiez? T'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends. Donne, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule, merci. T'es sûre? Parce que moi, ça me dérange Elle pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Coup de coude. À qui que je fais un coup de coude? Oh, Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Des salles d'ambiance. Merci. Hein. Quelqu'un sait où est Ryan? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi? Occupe-toi de ton... Ça parle de moi? Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett's Quarry. Hein? De quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est qui, la folle de Hackett's Quarry? Tu connais pas la folle de Hackett's Quarry? Sinon, je demanderai pas, débile. Bah, parle-lui de la folle de Hackett's Quarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett's Quarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett's Quarry? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui... est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois, à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett's Quarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu, les gamins. Tu peux proposer mieux. Bon, il a pas dit un truc de méchant. Lui, il a une tête de... Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp. Il les a traumatisés, sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie.
Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux. C'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là? Ouais, bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Cassez-vous, là. Fichez-moi le camp d'ici. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme! Peut-être que si quelqu'un n'avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi? Des fantômes. La folle de Hackett Squarry. C'est vous qui avez la clé, monsieur H? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, hey, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Est-ce que je continue à les garder? Vas-y, il a... Tu sais pas. Sérieux, allez, vous êtes carrément pas cool, mon wesh. Pote, je suis le gars le plus grave cool de toute la Terre, wesh. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. 5 minutes, juste 5 minutes, je demande pas plus. Mec! Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... On se retrouve dans le van. Dylan, okay. J'ai envie d'en faire une tête à claque. Je sais pas pourquoi. Trop condescendant. Je vais monter... Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré au moins. Non, c'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô? Ouais, ils sont pas encore partis. Je vais espionner. Quoi? Parce qu'ils sont jeunes. Je sais pas trop les pousser, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. Non, je devrais? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Ouais, enfuis-toi là, tu sais qu'il arrive. Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais? Ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre... laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus parce que je m'en fous. Ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Oh, c'est beau. Je m'attendais pas à ce qu'il dise un conseil comme ça. Frustré, c'est très important pour moi. Ouais, préoccupé, ça va pas saouler avec nos problèmes. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez un rancard ce soir? Bon sang. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît,
évite les histoires de fantômes. Désolé. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, plus un chef. Plus que Kalan, quand même. Ouais. Chante leur kumbaya la prochaine fois, ok? C'est quoi? On chante plus kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Curieux. Pourquoi? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Ouais. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Tu ne me dis pas tout. Donne-moi une minute. Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi? Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année. Et Kylie... Scrapière. Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirai que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Oh. Là où je les avais laissés. Oh. Allez, en route. Allez, faut qu'on parte vite là. Allez, allez. Ah, je pense que l'autre qui a cassé le... J'ai vidé toute l'essence, comme un imbécile. Assure-toi que tout le monde est prêt à... Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Hey, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Sûr. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. C'est quoi le problème ? Je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi? Assez. Arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, hey, allez. Mais doucement. Eh, hey, stop. Eh, hey, putain. Écartez-vous tous, vite, vite, vite! Oh, arrête-toi, stop! Pourquoi j'ai retiré l'essence? Je m'en occupe! Ah bah oui, avec ta bouteille de 25 centilitres, tu vas faire quoi? Eh hey, oh! Mec, je voulais juste t'aider! Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On a qu'à passer la nuit ici? Non! 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 Arrête! Je réfléchis. Ah! Ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à présent, ça va. QTE sont pas trop compliqués. Hey, Ryan! Viens ici une seconde.
Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne, compris ? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Ferme les portes. À tout le monde. Et par pitié, ne faites pas de bruit. C'est vraiment les peines. Défoncer parce qu'elle, elle sait que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non, c'est une blague. Emma ! Quel abruti ! C'est une putain de blague ! On est censé faire quoi ? Emma ! Non. On devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou on pourrait faire complètement autre chose. Non, pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Non. Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. D'accord. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Il avait l'air de flipper. Il s'inquiétait juste pour nous. Il avait l'air de flipper quand même. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Ouais, mec, il n'en saura rien. J'ai promis. Non, mec, écoute. C'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir papa. Quelqu'un doit se montrer responsable. Ouais, bah au moins, je suis responsable. Oh. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Oh. Moi, je fais comme Chris a dit. Ryan, sérieux. Allez. Ok, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va. L'outil, il vit sa meilleure vie, lui. Putain, je suis deg, j'ai fait cramer la voiture. Je sais pas si ça aurait fait ça, si... Si j'avais pas retiré l'essence. C'est quoi le bestiau à côté là ? Ça doit être les potes à l'autre. Aïe.
On dirait John Cena, lui. Ça va être écrit Do Not Enter. Hunting. Season High. J'espérais bien vous revoir un jour. Je vais être déçu, j'ai pas encore de carte tarot, madame. Voyons ce que vous avez. Vous n'avez rien. Vos mains sont vides. Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrai vous aider. D'où je viens, nous prenons soin les uns des autres. Trouvez-les, je vous prie. Je veux bien, je l'ai pas trouvé. Il y en avait peut-être, hein. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute, mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à conter. Prenez garde, prenez soin de vous tous et essayez de trouver mes cartes. Bien, madame. Carte de tarot. Eh bah, on en est là, coincé dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter pour survivre. L'humanité vaincra-t-elle ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien? Entrée, filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. Allez. Wow. Quoi? Psst. On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça, j'y suis presque, ok? Putain de... Et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Ok, je vais y arriver. Une seconde. Non, on va pas enfoncer la porte, il va y arriver. On lui fait confiance. Mais regarde ça. Et voilà le travail. Et là, elle est impressionnée. Votre épingle, madame. Non, tu peux la garder. Ah non, alors, pas mal, hein. Tu en as mis du temps. Ok, on va pas être plus... J'aime les hommes qui sont doués de leurs mains. Ah. Eh ben, tout le monde m'appelle l'homme aux doigts de fée. Non, c'est faux. Ok. Bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais? Dans un frigo. Bip, 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 bip. Qu'est-ce bip, que tu fous? Bip. Oh, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. J'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bolos. Quoi? Mais c'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là. Waouh, les gamins ont vraiment tout raflé. Monsieur H adore ses accessoires. Il est sûrement fermé. Je sais pas ce que j'espérais. Oh, mortel. Oh, jackpot. Mais, mate un peu mes grosses pastèques. Tiens. Pire en pire. Tu découpes un trou dedans. Mm-hmm. Tu le remplis de vodka. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans? Ouais, c'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais, tu peux aussi... Oh, la lourdeur. Je vois. Je vais vous laisser entre vous. La lourdeur. Aller chercher d'autres trucs festifs.
Que dalle. Ah, c'est une armurerie, non? Oh là, oui. Ah non, c'est la réserve. Arum Skarum. Arum Skarum? On est à la suite, là? On n'a pas la suite. Prospectus font la promotion d'un spectacle itinérant appelé Arum Skarum. La date indique qu'il a eu lieu il y a plus de 6 mois. Arum Skarum. Pourquoi tu regardes le plafond? Qui achète cette merde? Ben voilà, le petit screamer. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à une souris ou un truc comme ça qui allait se barrer. Il y en a des grillages ici. Elle est immense cette épicerie. Ça c'est dingue. Salut les gars! Trop bien! Allez! Je peux pas laisser passer une occasion pareille. Surtout qu'il est un peu peureux. Dites-moi, vous avez déjà vu un adulte se pisser dessus? Restez avec moi! Mon Dieu. D'accord, où je pourrais me cacher? Jacob. Emma? Eh oh. Si t'essaies de me faire peur, ça marchera pas. T'as pas peur des clowns? Non. Ils sont marrants. Parce que ça, c'est censé être marrant. Ah, la déception. Ouais. Waouh. Et là, tu trouves que c'est marrant, mon garçon? C'est que... Tu veux te joindre à 20 de mes amis clowns sexy dans une petite voiture dans laquelle on peut toutes rentrer super facilement? Je... Bah quoi? Plus envie. On en reparlera. Bon, c'était cool. Puis elle dit, voulez-vous réeffrayer Jacob? Bah dis donc, il y en a des bruits bizarres. Qu'est-ce que c'est, un plan? Plan de rénovation du chalet. Les plans de rénovation structurelle de la conduite de cheminée du chalet à en juger par les annotations chiffonnées, griffonnées. Chris Hackett ne doit pas avoir les moyens de la financer. Ah. Donc en fait ça se tombe, il a pas les moyens de financer.
Et du coup, il organise des chasses de créatures qu'il élève lui-même, où ils sont plusieurs à l'élever, pour ensuite faire des chasses dans la résidence, et pour les vieux riches fortunés. Voilà, on est d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça serait possible, non? Ça me fait penser un peu à Psychopass. Ok, il y a l'air de plus rien en avoir d'autre. Je me demande ce que c'est. Fermé. Jacob! Viens voir par là! Oh! C'est parti! Porte. Accroche-toi, parce que tu vas bientôt nous laisser passer. Ouais! Wow, c'est des armes. On a touché le gros lot. Mate un peu tous ces trésors. Je m'étonne qu'il ferme la porte à clé. Vampire. Il va pas nous tuer si on pille son stock? Quoi? Non. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre... de la survie ou... T'es pas d'accord? J'avoue, ouais. Ok. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bouge pas, sinon la porte se fermera. Oh! Mortel. Mate-moi ça. Mission accomplie. Boum! Je vais jeter un œil. Ouais, vas-y. Un truc sur les vampires. Je vais tout décortiquer, hein, j'en ai rien à foutre. Que dalle. Tu vois. Un congélo. Là, y'a quoi? Des sacs. Jacob! Hé, regarde ça! Quoi? Je peux pas bouger, sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Ah, ok. Il y a déjà des tentes au feu de camp, alors. Viens, c'est bon. Sac déchiré. Des sacs de randonnée déchirés avec des taches de sang séchées. C'est les traces d'un ours? Ouais, je le sens bien. Genre, le mec, pour arrondir, pour pouvoir subvenir à ses besoins dans le camp, il organise des chasses. Oh, cool! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un fusil! Oh, code. Cool! Et un. 7739. Code! C'est pour les balles, je pense. Prends-le. Ok. C'est bon. Y a-t-il autre chose? J'ai vu un truc qui avait écrit vampire. Ah d'accord, c'est juste une marque. Allez, on se taille. Alors, tu vas vraiment prendre le fusil, hein? Ouais. Pour les ours. D'accord. Ben moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. Retour de balle. Qui doit y avoir dans le coffre. D'accord. Bingo. Eh, c'est pas mal. Voilà. Bim. Y'a quoi d'autre dedans? Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non. Emma. Feux d'artifice. J'ai envie d'agir comme si... Ouais, faut les prendre en vrai. À mon avis, ça peut servir pour...
Tu sais quoi? T'as raison. Allez, on les prend. Ouais! Trop bien! On les prend! Et on peut dire que ce soir, ça va péter! Je pense que ça a plus une servir au cas où c'est une galère. Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière. Ils étaient carrément déchirés et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus. Oh oh! Stop! Stop! Oh, sérieux! Des peanut butter butter pops! Des putains de peanut butter butter pops! C'est quoi des butter pops? Non! Mais quoi? J'arrive pas à le croire. Ok. Pop pop peanut butter butter pops! Pop pop, ça fond dans la bouche! Pop! Non mais sérieux, c'est juste le meilleur snack de tous les temps. Qu'est-ce que c'est? Un genre de popcorn? Hein? Non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. C'est un truc à part. Une sorte de sous-genre dans les snacks. Tu sais quoi? J'en ai pas mangé depuis que je suis gamin. Tu vas voir, c'est une tuerie. Attends, il y a une date de péremption sur le paquet? Non, ça se conserve. Oh non, le paquet a 20 ans, c'est ça? Tu sais, ils les avancent, les dates de péremption. Bah. Mais si, tu vas les adorer. Ah. Sérieux. Ok. Bon. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Y a plus qu'à foutre tout le butin dedans. T'as dit quoi là? Butin? Oh bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Non, avant ça. Une prouette? Voilà. Ok. C'est comme une sorte de caisse sur roue, tu fous... Une brouette. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vois. Après vous, madame. Merci. Par où? Il a oublié les pastèques. Suivre la suite de l'histoire. Génial. Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est ici que la magie opère. Ouais, allez, on se dépêche un peu. Ouais, donne-moi une seconde pour brancher tout ça. Et charger. Des podcasts. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu écoutes? Vas-y, on va le faire. C'est quoi le titre de celui que t'écoutes en ce moment? Enquête paranormale. Et c'est sur les fantômes? En fait, ouais, c'est des enquêtes sur des histoires étranges. Ils essaient de tirer le vrai du faux et ils parlent de phénomènes, ben, paranormaux. Paranormaux. Parano. Pigé? Parano. Hein, t'as mangé un clown? Bon. Est-ce qu'on regarde ce que Monsieur H planque dans son antre du péché? Je sais pas trop, ça me gêne un peu de fouiller dans ses affaires. Ok, bah pas moi. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables ait à se reprocher? Pas Monsieur H, il est cool, je sais. Je l'ai toujours trouvé cool. Hey, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a là? Toujours pas trouvé de carte de tarot, moi. Les portables, ils sont... Tu veux que je les encourage? Allez-y, les gars, vous allez y arriver! Non, ça marche pas. On n'a plus qu'à attendre. Dylan, il parle du nez? Il a un petit rhume, Dylan. Pas passer la porte. Eh, pourquoi il y a un fusil? Chris. Monsieur H m'a dit que c'était. Pour les ours. Des ours? Ici? Ouais, ouais, il dit qu'ils osent pas approcher parce que, justement, il est armé. Mmh. Et... Sur les orcidistes. Ouais. Laisse-le où il est. Laisse-le.
faut être sérieux. Hey, et si on fait la fête ce soir en pleine forêt et qu'on se retrouve dans une situation où on serait en danger de mort? Genre quand des gens chassent d'autres gens? Ouais. Ouais, mais ça peut arriver. Regarde, l'été est fini et la saison de la chasse vient de commencer. Ouais. Et si... Ok, je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse se défendre. Exactement, c'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Et pour se marrer? Non? Ok. Ouais, ouais, t'as raison. Que d'idées là... Bon, bah, on sait où est le fusil, en cas de besoin. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, donc c'était son... Oh, il y a une trappe là. Oh, look at that. Hey, salut! C'est quoi ça? T'entends ça? Est-ce que c'est une trappe? Allez, t'es qu'un. Je savais bien qu'il y avait un donjon sexuel secret dans le ouais, coin. Ouais, ouais, ouais. Je te parie que Monsieur H a des pratiques hyper cheloues. Ça m'étonnerait. On n'a pas eu de moniteurs qui sont jamais venus? Pourquoi? Donjon sexuel secret. Non, c'est pas marrant, ça amène sans doute jusqu'au sous-sol à mon avis. T'as qu'à l'ouvrir. Ok, bon, on dirait qu'un puits de ténèbres sans fond, donc... T'en rajoutes à peine. Descends, jette un œil, regarde, tu peux glisser là-dedans. Tu l'as ouverte, tu descends. On ferme la trappe pour l'instant. Ouais. Après réflexion, je préfère pas savoir ce que Monsieur H trafique. Mieux vaut garder le mystère. C'est ça. Je me suis dit, ça se tombe... Je oh, mate le fauteuil. Je veux le même chez moi. Si Monsieur H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré... Allez, il n'en saura rien. Ok, mais sois prudent. J'aurais tu crois que je vais le casser ou quoi? Allez. Il y a peut-être des trucs intéressants. Oh. Oh. Un défaut de conception. Kearney et Max Brinley. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. Registre des moniteurs. La liste des moniteurs et monitrices avec leur nom, prénom, coordonnées et leur rôle dans le camp. Deux noms sont barrés, ouais, hein, pourquoi ne sont-ils pas venus? Yo, Mr. Jude. Comment ça, prends-les? J'aurais dû descendre dans la... Oh, je peux... Vas-y, on y retourne. Juste regarder là. Photo de famille. Chris Hackett, jeune directeur de colo, et ses deux enfants, Caleb et Kaylee. Ils semblent très heureux. Elles semblent heureux. Kaylee et Caleb Hackett. Comment tu vas, Mr. Jude? Ils sont chelous, non? Je les aime bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas hyper sociables, faut bien l'avouer. Moi, je retourne dans la cave. Si c'est possible, je retourne dans la cave. Y'a quoi, là? Waouh, mate l'antiquité. File-moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi? Pour te demander de sortir avec moi, hein? Habile. Mais je crois que si j'appelais un portable avec ça, le truc exploserait.
Allô? Oui? Quoi? Y'a quelqu'un? Allô? Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. Oh. Hein. T'aurais peut-être dû lui proposer un rencard. Ah putain, j'y ai pas pensé. Ouais. C'est quoi ça? À mon avis, ça c'est pour sortir. J'ai pas envie de sortir. L'arme. Il m'a dit non. Vas-y, je veux aller dans la cave. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Caitlin. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Arclas. Scavenger. Rainy Day. Plan. Movie Night. Shooting Stars. Share no show, responsabilité mon. Ah, ça va peut-être un peu plus simple en français. Hein. Ok, rien de transcendant. Éducation. Je peux pas redescendre dans la cave. Bon, j'aurai l'occasion d'y aller. Hein. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Si je fais ça, ouais. Hey, touche pas au fusil, mec! À vos ordres, chef. Ok. Je me fais rembarrer. Il me reste cette porte-là. Hey, mon pote, passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris? Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité? Haha, très drôle. Allez, y'a pas de mal à regarder, c'est. T'es pas un petit peu curieux? Je te jure, je vais toucher à rien. Ok, me le fais pas regretter. Ça, je peux pas le promettre. Et l'un, c'est franc. Ça veut pas dire ça. Ah, j'ai crash. Ah. Ça veut dire, ça se trouve, ça fait longtemps que t'es là. Attends, si j'ai crash, je vais rebaisser encore un peu les graphismes. Ça doit être dû à ça. Est-ce que tu m'entends? Ah, il y a peut-être beaucoup de décalage aussi. Oh là, oh là. Allô, allô, allô. Je vais l'arrêter et le redémarrer. Tac. J'ai un sentiment de déjà vu. Voilà. J'ai rebaissé un peu les graphismes. J'espère que ça me fera moins bugger. Parce que effectivement je laguais beaucoup. Allô, allô. J'espère que ça va aller un peu mieux. J'espère que... ça va aller un peu mieux. T'as du coup, je suis obligé de foutre le jeu au rabais, quoi. J'espère que ça ira mieux.
défilé de mode. Monsieur H connaît ses goûts. On dirait bien. Wow, y'a... Hey. Hey, on devrait peut-être pas... Ryan ? Wow, c'est quoi ce délire ? Sur les écrans, là, c'est le camp. Oh. Tu crois que Monsieur H nous espionne ? Non, non. Non, enfin, non, non, je crois pas. C'est juste différents sentiers dans les bois autour du camp. Ouais. La plupart des caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins, à moins qu'ils s'aventurent dans les bois, tu vois. En fait, c'est seulement des caméras de chasse. Et ça sert à quoi, ces caméras ? Je crois qu'on les installe... pour filmer des trucs étranges. Ouais, ok, genre quoi ? Genre, pour le Bigfoot, tu vois, ce genre de truc. Il cherchait le Bigfoot. Je savais pas que Monsieur H aimait ce genre de truc. Merde, il écoute peut-être le même podcast que toi. C'est son hobby secret, sans doute. Ouais, un hobby de luxe. Bah en même temps, j'ai relancé le live, qu'il y a d'autre à faire. Ouais, j'imagine qu'on se sent vite seul au camp une fois que tout le monde est parti. Ouais. La qualité du jeu. Ok, mais pourquoi il s'est donné tout ce mal pour cacher cette pièce avec une porte secrète dans le placard ? Bah, c'est pas vraiment une porte secrète, c'est plutôt caché derrière des trucs. Ouais, une porte secrète, c'est bien ce que je dis, Ryan. C'est super chaud, mec, c'est super ouais, chelou. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Y a forcément un truc dégueu ici. Dylan, ça nous regarde pas. Et si tu veux vraiment le savoir, t'auras qu'à lui demander demain. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de te répondre, tu verras. Mm. Ok, ouais, on verra ça. Ok. Je sors du repère secret. A plus. Hey, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. Je trouve c'est chaud. Il y a un micro. Il va voir un truc. C'est quoi ça ? C'était sûrement rien. Bah, c'était sûrement rien. Frère, le mec qui passe devant toi, il éteint la caméra. C'était sûrement rien. Ah. Wow. C'était sûrement rien. Qui dit ? Je crois qu'au prochain crash, je vais arrêter, je pense. Ah ouais, d'accord. Putain, je viens de me rendre compte qu'en fait, message de jeu, tu parlais des feux d'artifice. Oh, il y avait un gros décalage. Et je pense qu'il doit y en avoir un qui est en train de se créer encore. Vivement que je déménage à un endroit où il y a la fibre. Ça ne devrait plus tarder. Waouh, c'est plutôt costaud ce qu'il a là-dedans. Ouais, on devrait peut-être pas y toucher. Il bute. Ouais, y a rien de marrant. C'est vrai que c'est costaud ça. Eh viens, on retourne dans la cave. J'ai envie d'aller dans la cave. Putain. Je peux plus retourner dans la cave. C'est tout. Dans les chemins, est-ce que... Jeu dangereux. Emma a choisi d'emporter les feux d'artifice. Dylan a choisi de ne pas ouvrir la trappe. À pas de loup. Si vous mettez les pieds lorsque chaque pas vous rapproche du lever du soleil,
Il peut être dangereux de suivre les pas de quelqu'un plutôt que de tracer votre propre chemin. Je suis passé à côté d'un truc. Il n'y avait pas d'autre chose dans le camp. Là, ouais, j'ai bloqué l'épicerie. La caisse pas très loin. Souvenir endommagé. Oh, j'ai un point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les mêmes affiches que dans les bois. Pourquoi Chris Hackett les garde-t-il? Est-il lié d'une façon ou d'une autre à Arum Scarum? Alors ça, c'est des trucs que je pense que je me dis tout seul. On ne sait pas ce que fait Chris Hackett avec ses affiches, mais il a dû oublier de retirer celle-ci. Tout est lié. Allez, on se casse. Peut-être autre chose ici, mais je crois pas. Ça c'est quoi? Ça c'est les téléphones. Alors, tu sais déjà ce que tu feras quand tu seras rentré? Fac ou... Y'a rien de sûr. Oh, je vois. Une copine? Pas vraiment. Un copain? Sans attache. Cool, ouais. Pareil. Les portables, ils sont... Ouais, certainement. Mmh. Tu veux regarder? On devrait les laisser une minute ou deux, pour être sûr. Là, voilà la mise. Cool. Chargé. Ouais, chargé. Allez, on va à la fête. Hey, c'est bon ça? Ok, cool, on sort. Merci. Je me demande si je devrais pas mettre en 30 fps.